Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Je suis heureux de me retrouver avec vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir 4 sites internet qui vous permettent de faire des conversions. Ça peut être des fichiers PDF, Word, des images, JPEG, PNG ou autres. Vous allez voir, c'est simple, facile et gratuit. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et merci à toute l'équipe sur la chaîne. Alors, le premier site internet que nous allons voir ensemble, c'est Clever PDF. Alors, Clever PDF rassemble plus de 44 outils PDF en ligne. Et c'est simple, vous allez voir, lorsque vous tapez www.cleverpdf.com ou vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous allez voir. Simplement ici, vous arrivez sur le site et selon le choix de conversion que vous voulez, c'est simple. Hein, vous avez d'abord ici, par exemple, PDF en Word, vous avez PDF en Excel, PDF en présentation, PDF en Numbers, PDF en Keynote. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous allez voir ici, dans le premier cadran ici, vous avez convertir des PDF en documents Office, iWork et plus. Donc, le sens de conversion, ça dépend de vous ici. Alors, vous avez un deuxième bloc ici, c'est convertir des documents Office, des images en PDF. Donc, par exemple, Word en PDF, JPEG en PDF, ODT en PDF, Excel en PDF et PPTX en PDF. Facilement, vous pouvez sélectionner ici le sens de conversion que vous voulez et vous allez convertir simplement. Ensuite, nous avons ici autres outils PDF qui sont simplement gratuits. Par exemple, déverrouiller un PDF, et oui, protéger un PDF. Diviser un PDF, fusionner un PDF. Parfois, nous avons besoin de fusionner un PDF, plusieurs PDF à la fois. Je le fais très souvent. Donc, vous amenez tout simplement vos fichiers PDF ici sur le site. Eh bien, vous les fusionnez facilement. Vous pouvez ajouter du filigrane et les numéros de page aussi. Vous pouvez le faire facilement avec ce site. Et enfin, vous avez ici les convertisseurs de format d'image. De PNG en JPEG, de JPEG en PNG, de GIF en JPEG et ainsi de suite. Facilement, vous avez ici la possibilité de le faire. Donc, on peut faire ici simplement un test pour voir comment est-ce que cela se passe. Alors, je viens ici, je vais prendre moi PDF en Word. Tout simplement, je vais venir cliquer ici. Eh bien, PDF en Word, sélectionner un fichier. Vous cliquez sélectionner un fichier. Vous venez sélectionner votre fichier ici, par exemple. On sélectionne ce fichier, on attend la vérification en cours. Après, là maintenant, nous devons sélectionner le format de conversion. Par exemple, on peut souhaiter que le fichier soit converti sous l'extension doc ou docs. Donc là, c'est à nous de le préciser. Par exemple, ici, par défaut, c'est doc. Donc si c'est bon pour vous, on fait ici démarrer et tout simplement, il fait le processus de conversion. Il nous convertit le fichier et facilement, on a le fichier. Alors, vous faites tout simplement ici télécharger. Vous avez votre fichier sur votre ordinateur que vous pouvez utiliser facilement. Le deuxième site internet que nous allons voir maintenant qui va vous permettre encore de faire la conversion gratuitement, eh bien, c'est le site ilovepdf.com. Alors, le deuxième lien dans la description, vous pouvez déjà arriver sur le site ici et vous avez aussi les outils qui vous permettent. Alors, ici, vous avez fusionné des PDF, divisé des PDF, on va dire par exemple compresser des PDF, PDF en Word, PDF en PowerPoint. Et vous allez voir ici, selon les outils que vous voulez, hein, d'accord, filigrane, numéro de page, protection de PDF et vous avez même signé les PDF. C'est pas génial ça? C'est vraiment génial. Alors ici pour le texte, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut prendre ici par exemple, on va dire PDF en JPEG. Ça peut arriver, hein, on va prendre ceci, donc on clique ici. PDF en JPEG, nous allons attendre patiemment, il va charger. Voilà, et là donc on a sélectionné les fichiers. Voilà, et là on va prendre ce fichier là, par exemple, on va attendre. Et bien regardez, donc nous avons ici extraire images, toutes les images dans le fichier PDF, c'est possible. Hein? Ou bien vous prenez la page en JPEG, vous voyez pas que c'est cool. Par exemple, on va prendre ici extraire juste les images, on va dire convertir en JPEG. Nous allons attendre et ce qui est cool avec le site, c'est qu'il télécharge en même temps. Pas besoin de cliquer sur télécharger les images en JPEG. Il va le faire pour nous automatiquement. Voilà, et là, nous avons simplement notre image. On va cliquer ici. On va avoir un aperçu, hein, ce qu'on a. Voilà, et c'est simple. Vous avez vu, on n'a plus de texte parce qu'à la base, on avait le texte. C'est aussi simple que ça.
On ferme. Alors, ici, maintenant, on va passer à un autre site internet. Eh bien, c'est conversio.co. Eh bien, conversio.co ici. Là aussi, vous avez encore beaucoup de possibilités de convertir. Par exemple, ici, vous avez convertir ici. Par exemple, convertisseur de vidéo, convertisseur audio, convertisseur d'image, convertisseur de documents et ainsi de suite. On va cliquer sur convertisseur, on va dire d'image, comme ceci. Voilà. Et là, on peut choisir le fichier. Nous avons un fichier ici. Voilà. Et bien là, on a choisi le fichier. Et bien, on va prendre ici la destination. Et donc, vous avez ici toutes les destinations que vous voulez. Par exemple, hein, on va dire ici, eh bien, on va mettre ça en document. On va dire, on va mettre ça en document Word, comme ceci. D'accord? On va dire, on va convertir. Nous allons attendre. Eh bien, la conversion est en train de se faire. Voilà, elle est faite. Après, là, maintenant, qu'est-ce qu'on vient faire? En fait, télécharger. Tout simplement, on a notre fichier qui va être téléchargé directement. Voilà, donc là, on a par exemple le fichier en docs ici qu'on peut ouvrir facilement sur Office. Et c'est fait. Voilà, on a notre fichier ici. On va fermer. Maintenant, le dernier site que nous allons voir, eh bien, c'est smallpdf.com. Dans la description, vous avez le lien encore. Eh bien, là, vous avez plus de 21 outils qui vous permettent de faire encore vos conversions. Par exemple, ici, on va dire, on va fusionner des PDF ici, hein, d'accord? On va ici fusionner des PDF. On va voir ce que ça donne. Eh bien, on va choisir les fichiers. Donc, on peut venir ici choisir les fichiers. Nous allons attendre. Eh bien, voilà, on peut venir ici. On va venir prendre ici, eh bien, des fichiers en PDF. Hein. Je vais en chercher un autre. Voilà, 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 voilà. Faut pas ça aussi. Voilà, j'ai ceci et j'ai deux fichiers ici. Ouvrir, le temps de télécharger ici. Voilà, et nous avons ici fusionner les fichiers. Nous avons ici, eh bien, fusionner les fichiers, c'est bon. On n'a pas besoin de l'autre option. Eh bien, on vient ici, on a ici un fichier, ici on a un autre fichier. On va venir ici, on dit fusionner PDF. Donc, les fichiers PDF vont devenir un seul fichier PDF. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de télécharger ici, d'enregistrer sur l'appareil ou bien sur votre drive ou ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe. J'espère que vous avez compris et j'aimerais tout simplement vous rappeler que sur SmallPDF, il y a une limite de téléchargement par jour. Ça ne doit pas excéder plus de 3 téléchargements. Donc vous avez droit à 3 téléchargements par jour. Par contre, les autres outils, vous pouvez le faire autant de fois, surtout les deux premiers site internet que je vous ai partagé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous connaissez aussi d'autres sites où on peut faire des conversions et dites-moi le nom du site. Comme ça, on peut voir ensemble pour agrandir notre connaissance. Laissez un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez la vidéo autour de vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Afrotech Formation.